Toute ressemblance avec personne ou événement ayant existé ne serait que fortuite. Île de Délos, Grèce, juillet 1999. Paco aperçoit des lumières irrationnelles danser dans le ciel. Il sort sa caméra VHS et filme à la recherche d'un indice. Une étrange lumière va survoler la mer. Ça va se produire à nouveau, regardez bien. Le lendemain, le 17 juillet, Paco filme Carlota, sa petite amie. Ils ont grandi ensemble et tous les deux ont 19 ans. Carlota prend son bain de minuit, il la filme depuis la berge. Voyez, une intense lumière éclaire la nuit. Un soleil avec une bouche descend sur Carlota et la drague. 11 témoins ont vu. Le gouvernement recommande calme et neutralité. L'État nie son implication. 20 ans ont passé. Paco s'est basé à Collioure, en France. Il sait qu'il va revoir Carlota. Dans la nuit du 2 juillet 2019, il emprunte le bateau de Tiloui. Il sera observé par les gardes-côtes de Sardaigne qui préfèrent ne pas intervenir. Le 15 juillet, un touriste filme en pensant qu'il s'agit d'un mirage. Le lendemain, Paco est sur la côte de l'île de Délos, origine de tout. Quelque chose d'irrationnel va se produire. Paco a filmé sans trembler. Regardez les images. Un disque métallique d'environ 20 mètres de diamètre glisse sous la surface de la mer. Les plans qui suivent sont faciles à identifier, car il s'agit de l'éclipse de lune du 16 juillet 2019. Plus qu'une succession de phénomènes inexpliqués, il va retrouver Carlota. Il a maintenant accosté sur l'île. Il a 39 ans, Carlota est au rendez-vous, Carlota a 19 ans, elle n'a pas pris une ride. Elle semble ne pas l'avoir reconnue. Et sur ce plan-ci, nous comprenons qu'ils se sont retrouvés. Carlota est immortalisée par la caméra. Elle pose délibérément dans l'objectif, nous prouvant qu'elle est bien vivante. Ce seront les dernières images. La caméra et le plan des bords seront retrouvés à bord du chalutier. Sur la dernière page, on peut lire. Toute personne folle rit de ce que les gens normaux ne voient pas.
Les reverrons-nous? Nous sommes tentés de répondre à la négative.